Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble, nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute! Audrey est tout aussi passionnée de foot que ses enfants. Écoutons ensemble l'histoire de cette maman super active. Bonjour Audrey et bienvenue dans Histoire de sport. Merci, bonjour. Peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Audrey, j'ai presque 36 ans dans un mois et je suis enseignante, j'ai 3 enfants, j'habite à Fresnes dans le 94, pas très loin de Paris. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec le sport et le foot, je crois ? Moi, le sport, disons que j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours été sportive. À l'école, j'ai toujours eu de bons résultats en sport, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel, que ce soit en gymnastique ou en basket. J'ai toujours été très à l'aise avec mon corps, avec la motricité. Et le foot particulièrement, j'ai commencé à suivre le foot grâce à mon papa. Grand fan du PSG, donc c'est avec lui que je commençais à regarder les matchs et je me suis vraiment prise à aimer le foot à la Coupe du Monde 98. Voilà, j'avais 14 ans je crois et ça a été l'élément déclencheur de ma passion pour le foot. De ta passion, mais je crois que tu pratiques aussi. Et du coup, dans la pratique, en amateur beaucoup, alors depuis toute petite aussi, j'habitais dans un petit village où on n'avait pas grand-chose à faire, on n'avait pas d'infrastructure, on avait en soi qu'un espace vert et du coup, le ballon de foot pour jouer. Donc ça a commencé comme ça. Donc jouer avec les garçons, jouer de manière informelle sur un petit bout de terre et puis de fil en aiguille, commencer à petit peu plus à jouer de manière formelle avec les règles, mais sans pour autant m'inscrire au club de foot du village, donc à l'époque, parce qu'on s'inscrivait pas au club du foot du village quand on était, enfin, quand on avait 10, 11 ans, quand on était une fille, ça n'allait pas de soi. Et c'est venu après ma pratique vraiment du foot et surtout avec l'arrivée de mes enfants. À l'époque, qu'est-ce que la pratique du foot t'apportait dans la vie? Bah déjà, au quotidien, quand j'étais jeune, c'était surtout le contact et l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe. C'était faire partie d'une famille quelque part, faire partie d'un élément qui faisait qu'on était bien ensemble, qu'on était tous ensemble et autour du ballon. Au-delà de l'aspect physique, du maintien physique, l'endurance, le cardio, ça procure aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de bonheur quand on arrive à construire ensemble, quand on arrive à avoir un objectif, évidemment la victoire étant le meilleur des objectifs, mais ne serait-ce que de bons moments, de bonnes phases de jeu et les copinades et les rigolades, quoi. En dehors du terrain, dans ma vie de tous les jours, j'ai quand même du coup une hygiène de vie qui fait que forcément j'essaye de pas me coucher trop tard quand on sait qu'il y a match le lendemain, que ce soit pour moi ou pour les enfants, et puis inculquer aussi aux enfants la bonne hygiène de vie et le bon comportement à avoir pour pouvoir produire de bons résultats. C'est important, le coucher tôt, le manger bien, l'hydratation, et puis faire travailler les ménages, faire travailler la réflexion autour du foot aussi. C'est important. Qu'est-ce que tu trouves motivant dans le football ? Ce que je trouve motivant dans le football, alors au-delà encore de la victoire, d'y aller pour gagner, se réveiller pour faire un bon match, gagner le match, les interactions qu'on arrive à créer avec d'autres personnes sans se parler. Simplement le mouvement du corps, les yeux, les gestes qui font qu'on arrive à créer en fin de compte une conversation complètement corporelle. Et je trouve que ce langage-là, quand on arrive à y accéder, c'est quelque chose de formidable. Et dans la transmission, et ben, je trouve que c'est encore mieux quand on arrive à faire comprendre à un groupe d'enfants que ce dialogue-là, quand on arrive à l'instaurer, ben c'est génial, on arrive à soulever pas mal de choses avec. Quel est ton plus beau souvenir en rapport avec le foot ou un autre sport que tu as pratiqué auparavant ?
Dans tout ce que j'ai pu faire comme sport, non, mon plus beau souvenir, ça restera dans le football de toute façon. Voilà. On reste dans la thématique. Ouais, quand même, on est quand même 2 fois champion du monde, hein, faut pas pousser, donc ça reste quand même de très beaux moments de sport. Comment dire, de sport populaire et d'union populaire. Je trouve que voilà, s'il y a quelque chose qui rassemble, on a beau critiquer le foot, on a beau critiquer plein de choses, mais ça, quand ça se passe bien, eh ben tout le monde est content. Je trouve que c'est pas mal. Et sinon, c'est la victoire, la qualification en règle générale dans les tournois, dans les championnats des enfants. Je trouve ça formidable. Le vivre le foot, c'est différent de pratiquer le foot, et d'en vivre le foot, c'est quand même pas mal aussi. On a de bons moments et de bons souvenirs en tant que... Et du coup, est-ce que tu aurais un souvenir en particulier à partager avec nous, lié au foot, un souvenir personnel? Je crois le plus beau souvenir, c'est cet été, durant la qualification de mon fils à un tournoi, la Paris World Game, des tournois qui ont lieu là juste début juillet. Et ils ont réussi à se qualifier en phase finale face à une équipe égyptienne qui était très dure à jouer. Le match était quasiment donné pour eux, mais ils ont réussi, les enfants, à trouver les ressources dans les dernières minutes et faire une remontada et réussir à gagner ce match. Et je crois que ça reste l'un de mes plus beaux souvenirs en tant que maman de sportif, en tout cas. Qu'est-ce qui a été, à l'inverse, le plus difficile, le moment le plus difficile? Est-ce qu'il y en a eu un déjà? Pas forcément. J'ai jamais trop associé le sport avec des moments douloureux. C'est au contraire, le sport m'a permis à un moment donné de me sortir de moments douloureux. Donc j'ai pas eu l'occasion de l'associer à quelque chose de négatif ou de triste. Donc j'ai pas forcément eu de mauvaises expériences ou d'expériences tristes par rapport au football. Sachant que dans la pratique, quand on perd, quand les enfants perdent, on en apprend toujours quelque chose. Donc à ce jour, j'associe pas ça à de la tristesse. Est-ce que on a déjà tenté de te décourager déjà de pratiquer le football ou un autre sport? Non, pas forcément, pas forcément. J'ai pas forcément de moments où je me suis dit non, c'est pas pour moi, le foot c'est pas pour moi, ou l'athlé c'est pas pour moi. J'ai toujours été poussée ou encouragée, que ce soit par la famille, par les parents ou autre. Après, c'est vrai que il y a des moments où l'on sent en tant que fille, c'est pas forcément facile. Alors, pas pour moi en particulier, mais je vois les petites filles footballeuses à l'heure actuelle, elles sont souvent dans des équipes de garçons, parce qu'il y a pas, tous les clubs ne proposent pas de section féminine pour le moment, donc elles sont contraintes en fait de jouer avec les garçons, ce qui n'est pas plus mal parce qu'elles élèvent leur niveau. Mais des choses bêtes, c'est on arrive en tournoi et pour ces 2-3 filles-là qui vont être présentes dans le tournoi, il n'y a pas de vestiaire. Elles peuvent pas se changer tranquillement. Elles ont quand même 10 ans. L'intimité, la timidité, la pudeur à 10 ans, c'est présent. Et à 10 ans, on n'a pas forcément envie de se changer dans le même vestiaire que ses copains, même si c'est les coéquipiers, on a des corps différents, donc on préserve son corps. Et se faire entendre dire par les organisateurs de tournois, elle a qu'à se changer dans les toilettes, je trouve que c'est un peu décourageant, en fait, quand on est une petite fille. On n'a pas à aller se changer dans les toilettes, il faudrait juste penser à ouvrir un vestiaire qui va servir aux 2, 3, 4 filles qui seront là ce jour-là dans le tournoi. Donc c'est un peu décourageant quand on... Ouais. Est-ce que tu penses à d'autres clichés, par exemple, auxquels tu aurais pu être confrontée dans ta pratique, les clichés envers les femmes? Non, pas forcément. Je trouve que en tant que femme, on peut réussir à s'imposer dans le sport que l'on a choisi. On peut réussir à prouver que l'on veut aussi bien, avec nos performances à nous, avec nos compétences à nous, bien évidemment. On ne va pas aller se mesurer aux compétences masculines parce que physiologiquement, on n'est pas fait pareil. Mais je pense qu'on peut réussir et qu'on réussit à s'imposer. De plus en plus. De plus en plus, en tout cas. Est-ce que ta relation avec le sport a changé depuis que tu es devenue maman? Ah bah oui, 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 déjà. Tout a changé. Tout a changé. En plus, bah oui, j'ai 3 enfants, même 4 enfants avec ma belle-fille. Donc c'est une famille nombreuse au quotidien.
Donc au quotidien, il faut savoir trouver le temps de se dire à quel moment je vais faire du sport. Et à vrai dire, quand les enfants sont tout petits, je l'ai pas trouvé ce temps-là. Je l'ai pas trouvé. Je commence maintenant qu'ils grandissent, maintenant qu'ils accèdent un peu plus à l'autonomie chacun, à retrouver ce temps-là et à me replonger dans la pratique de plus en plus. Et est-ce que tes enfants font du sport ? Donc tu m'as parlé de tes fils qui faisaient du football aussi. Petit footballeur, bien évidemment. Est-ce que tu peux en parler ? Parce que ça a changé aussi, je pense, ta façon de voir le sport, puisque maintenant tu es supportrice aussi. Ben voilà, donc dans un premier temps, le sport par procuration, en fait, par manque de temps, il fallait sacrifier mon temps pour eux. Et donc ils sont footballeurs, en tout cas les garçons, en U11 pour le plus grand, U9 pour le deuxième, dans un club de foot dans ma ville. Et du coup, ils font beaucoup, beaucoup de sport. C'est deux séances d'entraînement dans la semaine et les matchs tous les week-ends. Ça demande beaucoup de sacrifices en termes de famille. Une organisation familiale aussi qui tourne vraiment autour de leur sport. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas décidé d'abdiquer sur le sport. Ils sont bien dedans. Ils veulent continuer. Et puis nous, on les pousse et ils ont une pratique très régulière et ils arrivent à se construire avec cette pratique-là. Ils construisent, ils forgent leur caractère et je trouve, pourvu que ça dure pour eux, pourvu que ça dure. Comment est-ce que tu essaies de les accompagner au quotidien dans l'organisation, comme tu disais, ou est-ce que tu essaies de parler un petit peu avec eux du mental? C'est très important de débriefer pour nous, mon mari et moi-même, on les débriefe beaucoup. Pendant un match, alors on les laisse du mieux que l'on peut vivre leur match, c'est leur moment, ils doivent prendre leurs décisions. Et après, on en parle. En cas de victoire, tout va bien, tout le monde est content. En cas de défaite, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, comprendre le rôle de chacun dans la défaite. Et puis, surtout, leur faire assimiler que c'est l'addition de petites erreurs qui font ce sport-là et qui amènent l'une des deux équipes à la victoire. Donc comment réduire le nombre d'erreurs, en fait, c'est ça la question et c'est tout le cérébral du football que nous, on essaye de leur apporter en tant que parents et dédramatiser les situations et pour qu'ils vivent quand même leur passion avec beaucoup de plaisir quand même. Tu penses que le sport, en fait, est vecteur de valeurs ? Quelle valeur, par exemple Alors, en tant que sport collectif, en tout cas le football, c'est un sport collectif qui les valeurs de courage, d'entraide, de sacrifice, de volontarisme aussi, si je puis dire les choses ainsi, le don de soi. C'est des valeurs que le sport va transmettre. Ils n'iront pas trouver ce genre de choses ailleurs. Il y a l'éducation en général et le sport fait partie intégrante de l'éducation. On ne peut pas éduquer un enfant sans lui inculquer, à mon sens, des valeurs que véhicule le sport. À l'école, au quotidien, les enseignants font du sport, mais vraiment l'éducation physique pour amener tout ce qui est éducation à la santé, éducation à l'hygiène de vie, on n'est plus sur ces axes-là. Mais le sport, le dépassement de soi, c'est dans un club qu'on va le chercher, c'est au sein d'une association qu'on va le chercher, c'est avec un coach qui est partie prenante qu'on va le chercher. Et tout ça, c'est bien que l'enfant en ait conscience et c'est bien qu'il puisse donner à travers le sport. Y a-t-il une sportive que tu admires particulièrement ? Ouais, j'ai grandi dans les années 90, forcément. Donc, j'ai beaucoup suivi Marie-Josée Pérec. J'ai énormément suivi les Jeux Olympiques. Et j'arrive pas ce jour à retrouver un engouement avec un sportif aujourd'hui qui m'a donné autant de bonheur que Marie-Josée Pérec. Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, chez Marie-Josée Pérec? C'est sa force, son courage, sa pugnacité à réussir. Lorsque plus personne croyait en elle, moi, j'étais persuadée de croire en elle et qu'elle allait revenir et qu'elle allait vaincre. Après, dans un autre domaine, dans un autre registre, un monde que je ne connais pas du tout, il y avait une sportive qui m'impressionnait beaucoup, c'est Surya Bonaly. Étant petite fille, j'aimais forcément les paillettes, j'aimais tout ça, donc elle avait tout ça. Mais je trouvais que par rapport aux autres patineuses, elle avait ce côté athlétique, elle faisait ressortir le côté sport et le côté vaillant
dans un sport plein de clichés, je trouve, qui était le patinage artistique, un monde qu'on saupoudre de paillettes et d'artifices et que l'on voit pas les compétences physiques et sportives au premier abord. Mais je trouve que Surya Bonaly, justement, elle faisait ressortir tout ça dans ce sport-là. Elle représentait la femme forte. Voilà, une vraie femme forte. Donc, merci à Surya Bonaly pour les patineuses. Est-ce que tu dirais, justement, là on parle de sport féminin, est-ce que tu dirais que le sport féminin n'est pas assez médiatisé en France ? Ouais, je pense que c'est encore un peu compliqué ça, hein. C'est encore un peu compliqué. On essaye de surfer sur la vague de la Coupe du Monde avec les joueuses de foot. Mais j'ai l'impression que la Coupe du Monde féminine n'a pas autant pris que ça, n'a pas généré autant d'engouement qu'on aurait pu l'espérer. La faute à qui, la faute à quoi? Je ne sais pas si les médias sont assez partie prenante dans l'affaire. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de médias engagés dans le sport féminin pour justement promouvoir toutes ces sportives françaises qui, je crois qu'il y a une judoka qui a gagné les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. On en a à peine parlé. Pourquoi on parle autant de Teddy Riner? Et c'est très bien qu'il gagne autant, c'est très bien pour la France, c'est très bien pour lui, on en est tous très contents. Mais cette judoka dont j'oublie le prénom, qui a fait aussi pas mal de choses, et ben on n'en parle pas assez. Je crois même qu'il y en a une autre qui a pointé à la NPE il y a pas si longtemps, alors qu'elle était médaillée olympique. C'est partie prenante, c'est les médias pour moi qui devraient un petit peu plus se mouiller et un petit peu plus faire confiance au sport féminin et pour pouvoir justement montrer à toutes les générations à venir que c'est possible. C'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup de clichés sur le rapport au sport des femmes. On dit souvent que les femmes manquent de temps. Donc toi qui es maman, aurais-tu des conseils d'organisation, entre guillemets, à donner aux femmes pour qu'elles tiennent leurs séances ou pour qu'elles s'organisent mieux? Ou est-ce que c'est un faux problème au final? Le temps, tout le monde va le chercher, qu'on soit homme ou femme. Bah, je pense que voilà, effectivement, on est dans un débat qui n'a pas lieu d'être à partir du moment où on prend la décision. Il est vrai que en tant que maman, on va être plus impliqué dans la vie dans l'organisation du quotidien de sa famille. Cependant, je pense qu'une fois qu'on a défini nos objectifs, une fois qu'on a défini quel type de sport, dans quel type de sport on voulait s'inscrire, que ce soit du sport collectif, du sport individuel, du training ou autre, une fois qu'on est au clair avec ce que l'on veut et ce que l'on souhaite, il n'y a plus qu'à naviguer vers son but, son objectif et surtout son... prendre les petites 5 minutes qui font que là, ça y est, j'y vais. C'est juste prendre la décision de dire, c'est bon, j'y vais. Une fois qu'on a pris la décision, ben, c'est bon, on est lancé. Selon toi, qu'est-ce qui manque au foot féminin pour attirer plus de femmes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner envie aux femmes, justement, de se lancer? Alors là, enfoncer les portes ouvertes. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient faire du foot et qui se l'interdisent, mais qui se disent, bah, un stade de foot n'est pas fait pour la femme. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on, c'est simplement se trouver, se donner la force. Se trouver peut-être la bonne copine ou la bonne personne, pas forcément la bonne copine, la bonne personne, la bonne rencontre, qui fait que, en fin de compte, dans les clubs de foot, il y a de la place pour les femmes. Il y a de la place. C'est simplement, il faut aller la chercher, cette place. Et il faut, en tant que pratiquant, oser se dire, non, c'est bon, viens, on essaye de le faire, on essaye de monter une équipe, on essaye de monter une section féminine, que ce soit pour des 10 ans ou pour des trentenaires. Je pense qu'il suffit juste d'avoir la motivation et l'envie. Et en fait, il y a de la place dans les clubs de foot. Et qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui aimerait se lancer dans l'aventure du football? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie de le faire? Je lui dirais, viens, on y va. Non, je lui dirais, tout simplement. Je lui dirais, viens, on y va. On y va parce qu'il y a de la place aussi pour toi. Tu verras. Voilà, juste la confiance, lui donner de la confiance. Cette interview touche à sa fin. Merci Audrey d'avoir partagé ton expérience. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport. We'll be right back.